Je l'ai encore regardé et il me faisait encore plus penser à Nagui qu'à son habitude. Alors j'ai accepté. Bref, je suis très content d'être là. Moi, je sais que j'étais pas le premier choix. Qu'à la base, tu préfères les mecs au bandana. Tu préfères les gags pourris de ton frère. Mais Amir est très pondéré, très réfléchi. Mais bon, Amir, il a dit qu'il venait. On n'a pas compris, mais bref, moi, je suis très content d'être là. Pour écrire ce texte, j'ai pris une feuille blanche et un stylo. Je les ai bien posés sur le bureau, j'ai tracé une marge et je me suis mis à penser très très fort à Reza pendant que je dessinais des pénis rigolos sur la marge. J'ai vite trouvé ça malsain et c'est devenu des licornes très chelous. Et moi, je cherchais l'inspiration et j'entendais des zic zic, des viens faire l'amitié, des sanctions et enfin des t'es sur ma liste. Bref, ça m'a fatigué, alors j'ai fait une turbo-sieste. Et là, Reza, j'ai rêvé de toi. Je rêvais de toi. Reza, one-man show. Reza, étudiant. Reza, grande gueule. Reza, médecin. Reza, globe-trotteur. Reza qui s'endort partout. Reza qui se fout à poil partout. Reza, poète, mais qui arrive à foirer des cartes de Noël. Reza qui conduit en scooter. Reza qui se vautre en scooter. Je rêvais de toi. Reza qui mange des sandwichs à Mimi, Reza fashion victime, Reza photographe, Reza photo de groupe, Reza photo de groupe, Reza encore photo de groupe, Reza qui tape la balle, Reza qui shoot la balle, et Reza qui se croit être de la balle. Dans mon rêve que j'en ai oublié mon texte, mais je rêvais de toi aussi, Reza. Reza qui danse la carioca avec Cohen au Sri Lanka. Reza avec un t-shirt immonde du Burkina. Reza qui, et ça c'est véridique, qui se teint les cheveux en blonde platine à la Marvin. Reza grande gueule. On l'a déjà dit ça, hein ? C'est important. Ouais, c'est important, alors on le répète. Et là, le rêve est devenu intéressant. Avec Reza qui rencontre Malika. Reza qui voyage avec Malika, qui est heureux avec Malika, qui caresse la joue à Malika, qui épouse Malika. Bref, Reza qui fait le bon choix. Et moi, j'ai vu leur soirée cocooning après de très très grosses soirées de shopping. J'ai aussi vu Malika qui commence à faire les mêmes gags que Reza et ça fait mal. Mais après, j'ai aussi vu Reza qui commence à voler les manteaux couples de Malika. Et ça aussi, ça fait mal. Ça fait mal. Et bon, après, j'ai vu leurs bisous sur la joue, dans le cou, sur les épaules. Bref, Reza qui fait le bon choix. Le rêve sentait bon le papy d'Arménie, le pitchouli du bonheur qu'ils ont eu de se retrouver. Bref, Reza et Malika qui font le bon choix. Je me suis réveillé, plein de petits caca au coin des yeux, et la baffe qui pendouille avec les cheveux comme Son Goku. Je cherchais un stylo tout en me grattant une couille, mais il marchait pas. Le stylo, Amir, le stylo. Voilà, Reza. Ce qui me restait du pitch de ce beau rêve, c'était l'histoire d'un petit gars hyperactif sur qui tous les talents se concentrent et qui sait magnifiquement s'entourer. Il y a un faisceau de preuves convergent pour dire que t'es un grand homme, Reza. Et je te le répète, pour que tu l'intègres, parce que t'as jamais dû l'entendre cette phrase. T'es un grand homme, Reza. Et tu sais ce qu'on dit. Derrière chaque grand homme, il y a une belle amitié avec un mec aux cheveux longs. Non. C'est pas ça. Il y a une grande femme. Et voilà, Malika, tu es une grande femme. Tu as su apprivoiser et manier cette boule d'énergie à l'état brut qui s'est taillée presque tout seul, sans te cramer les mains, ni la tête, et encore moins le cœur. Cette pépite, ou ce pépito, qui de par sa curiosité et sa générosité, ne cesse de prendre de la valeur pour moi. Voilà, Reza. Un discours, et donc encore moins un bref, me résumeront plus de 20 années d'amitié, de discussions au coin de l'oreiller, de voyages et péripéties communes, de soirées films, Ligue des Champions et pop-corn micro-ondes dans la cuisine du Colbé, mais surtout de Gutemenschitude. Bref, ton brillant profil est connu, enfin, surtout le gauche. Et Malika, premier soir, tu as apparemment nargué notre petit Nagui, enfin notre Ellie,
en lui demandant s'il pensait que ça allait être aussi facile. Premier soir, je n'en sais rien, on n'en sait rien. Et depuis, vu les sourires complices et langoureux auxquels on est forcé d'assister constamment, on se dit que ça a dû bien changer. Alors sache que nous ne sommes pas aussi prudes et que dès le premier jour, dès la première nuit, nous avons compris que nous pouvions t'offrir notre fleur. Enfin, notre ami, pardon. Sans limitation et sans restriction. Bref, abuse-en, il le vaut bien. Voilà Malika, voilà Reza, voilà chers amis. La vie vous fait parfois ce cadeau-là, de mettre sur votre chemin des gens comme ça. Des gens qui vous guident vers la lumière, qui vous montrent où se cache le joyeux, le vrai, le non-éphémère. Et pour suivre l'aura de ces gens-là, brillants, étincelants et pétillants, vous iriez jusqu'au bout du monde sur le bateau d'un mec qui s'appelle Bong. Braver flots et marées, et pour certains diarrhées, pour les voir s'aimer et se marier. Bref, bonne route à vous deux. Et venez faire l'amitié quand vous voulez.